un gars qui s'occupe de moi, qui paye mes factures. Je pense que ça coupe les rues comme ça là. Je m'accroche bien. Je ne descends pas. En tout cas, moi, je l'ai lavé, je l'ai rincé, je l'ai repassé. Si j'attrape la femme là, je te jure. Bongando, Bongo ça. Bongando, Bongo ça. Bongando, Bongo ça. Bongando, Bongo ça. Mauvais travail. Comment ma chérie? J'ai une très très belle coiffeuse. J'ai rendez-vous ce soir avec mon gars. La greffe. 2 minutes s'il vous plaît. Je reçois mon coup de fil. Allô ma chérie. Bonjour. Je suis la coiffeuse. Lisette Fashion. Malaise, moi je me coiffe. Non, j'ai rendez-vous ce soir avec mon chéri. Et je t'ai même pas dit. La femme de mon gars m'appelle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je sais pas ce que j'ai fait à la femme là. Je sais. Maman, allez, je me coiffe d'abord. Je viens. On se retrouve là où tu connais. Je t'ai dit, laisse-moi comme ça là. On va parler tout à l'heure. Ok, madame. Votre greffe. Il dit qu'Emma, il y a les femmes ici dehors qui ont le cœur, un gros cœur comme ça là. La femme de mon gars m'appelle chaque soir. Chaque jour, la femme-là m'appelle. Je suis fatiguée. Chaque jour, m'appelle. Elle m'appelle pourquoi? Ah, ma chérie, quand c'est comme ça, tu raccroches. Nous, les femmes mariées, on souffre. On va faire comment? Elle t'appelle, tu raccroches. Ça ne sert à rien de discuter avec elle. Je ne parle pas pourquoi. Je dois bien parler. Un gars qui s'occupe de moi, qui paye mes factures. Je pense que ça coupe les rues comme ça, là. Je m'accroche bien. Je ne descends pas. En tout cas, moi, je l'ai lavé, je l'ai rincé, je l'ai repassé. Si j'attrape la femme, là, je te jure, je vais la... Ça sert à quoi, ma chérie? C'est comme ça qu'une autre m'a appelé l'autre jour. Me laver, rincé, javelisé. Maman, nous, les femmes mariées, on souffre. Toi-même, tu appelais que tu appelais quoi? Quand vous êtes mariés, restez chez vous avec vos maris. Quand vos maris sortent de la maison, c'est déjà pour le tisa. C'est quoi? C'est mon mari, non, ma chérie. Je suis libre d'appeler qui je veux. Maman, pardon, coiffe-toi, tu sors. Tu es venue te coiffer, non, pardon, coiffe-toi, tu sors. On coiffe comment? Ta greffe, ma chérie, s'il te plaît. En tout cas, 2 minutes, s'il te plaît. Je vais appeler mon chéri. Tout à l'heure, quand il m'appelait, j'étais dans le taxi. Bon, j'ai pas eu le temps de répondre. Prends tout ton temps, maman. Merci. J'ai appelé vidéo. Allô, mon chéri? Coucou, ça va? Tu me manques déjà, tu sais? Je suis au salon, je me coiffe ce soir. C'est comment alors? Je suis avec la coiffeuse. Tu fais un petit coucou comme ça là? Ma vie, moi mon gars. Tu vas bien? Attends. Allô? Maman, qui t'a indiqué le salon ici? Et qui est? C'est ma copine Julie qui a dit qu'il y a une femme ici qui coiffe bien, bien, bien. J'ai dit que je peux aussi regarder. Non, tu as oublié ça, tu as osé venir dans mon salon de coiffure voir à quoi je ressemble, n'est-ce pas? Il y a encore quel problème, papa? Il y a quel problème? Tu sors avec mon mari et tu oses venir dans mon salon de coiffure appeler en vidéo pour me narguer. Mais ma chérie, tu prends le courage là où? J'ai dit, hey, maman, c'est ton mari. C'est mon mari. Donc c'est toi qui m'appelais tous les jours comme ça là. Donc c'est toi qui as osé me laver au téléphone, n'est-ce pas? Tchao, wopsa, venez jusqu'ici, vois à quoi je ressemble. Dédié, hein, maman? Dédié, maman. Bongando.